Léa, c'est ça qui est beau, oui. Léa, vous avez enquêté sur les Cerbères Léa qui a été à l'école russe. L'école russe de l'enquête sur Internet. Exactement, j'ai sorti mon loophole, c'est un moteur de recherche en fait, dans lequel on connaît tous les mots associés à votre nom. C'est-à-dire ce que les gens tapent le plus souvent. Donc le premier, c'est CD, il y a Plaza, Parents et 4 saisons. Alors CD, c'est bizarre parce que quand on parle de CD à des gens de votre âge, ils pensent brocante en général. Ils pensent objet de collection, pas quelque chose qui vient juste de sortir. Moi, j'adore écouter l'album des Sœurs Berthollet à fond dans la voiture. Je peux l'écouter en boucle. Je l'ai fait d'ailleurs ce week-end. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est mieux que l'opéra. L'opéra, tu te tapes 5 heures. Moi, je suis allée à l'opéra la dernière fois. Entre le début et la fin, j'ai pris des rides. Non, mais le meilleur, c'est le milieu. Parce qu'il y a les petits fours. Moi, il coûte 30 euros, mais... D'accord, j'irai pour dîner, alors juste la prochaine fois. Et puis aussi, on peut écouter à fond ça dans la voiture, dans les embouteillages. Et je peux vous dire qu'insulter Hidalgo sur un fa dièse, ça, c'est un petit peu savoureux. Moi, j'adore autre chose, c'est que la musique classique, je suis très honnête, c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais que j'adore écouter. Un peu comme les discours de Castex. Mais d'ailleurs, je me suis dit, ça doit être dingue. Des blind tests, justement, c'est chez les sœurs Berthollet. Elles doivent dire, vas-y Gab, envoie la musique. Alors, Mozart? Oui, Mozart. Bien joué, un point pour Julie. Deuxième, vas-y, envoie la suivante. Ah, pardon, non. Ça, c'est, non, ton ça, c'est le violoniste de la ligne 12. Ah, je crois que c'était le voisin du dessous qui explique. Vous appelez ça aussi. En parlant de voisin, le deuxième mot du loophole qui revient donc, souvent, c'est Plaza, évidemment, parce que c'est grâce à lui que vous avez trouvé l'appartement dans lequel vous vivez aujourd'hui, dans Recherche Maison ou Appartement. Il n'avait juste pas prévenu les voisins. Et je me suis dit, pendant le confinement, c'est peut-être ça l'augmentation du nombre de gens en réanimation. Explication. Ouais, maintenant, je commence à comprendre. Tu te dis violon matin, midi et soir. Tu te dis, c'est pas un concert, c'est une ordonnance. Et moi, perso, j'adorerais. Il y a des voisins qui vous laissent mettre des mots sur les portes. Regardez un petit peu celui qu'on a trouvé. Ah, donc, c'est Castex les jeudis et casse-tête le reste de la semaine, c'est ça? Alors, en vrai, pas du tout, parce que je peux vous dire qu'en vrai, je les connais. Et les voisins qui leur laissent des mots dans les boîtes aux lettres, ils leur demandent de jouer plus souvent. C'est vrai ou pas? Ouais, j'ai une chance inouïe de vous avoir comme voisine, vous imaginez? Bien sûr. Évidemment, on essaie de respecter. Quatrième droite qui nous envoie des petits messages avec des petits cœurs. Oui. Ouais. Ah ouais. Même le déménageur était content parce que quand on lui a dit qu'il allait déménager des musiciennes et qu'il a vu que c'était pas un piano à queue, il était hyper content. Après, le troisième mot, c'est parents. Alors là, parents, je me demande pourquoi les gens recherchent vos parents. Je veux dire, vous êtes musicienne, pas perdue sur la plage. C'est quand même dingue. Tu te dis pourquoi ils recherchent parents. Mais en fait, si j'ai compris, parce que vous êtes belle et brillante, alors les gens recherchent si vous avez des parents. Alors dites-le officiellement que vous en avez, ça évitera les adoptions en masse, les demandes d'adoption. Une des deux a été adoptée, mais on ne dira pas laquelle. Voilà, on ne dira pas qui a été trouvée devant la porte. Mais... Il y a un des parents qui roue. En même temps, ils peuvent être fiers. Je veux dire, c'est vrai, on n'a pas arrêté d'en parler. Vous êtes hyper précoce. Moi, je commençais à marcher à 1 an. Vous, à cet âge-là, vous avez déjà le bac. C'était quand même hallucinant. Et puis surtout, vos parents, ils... Non, je pense que c'est des mecs qui tapent parents à fond pour savoir à quoi vont ressembler leurs beaux-parents futurs, tu sais, dans leur fantasme. Et je leur dis merci, moi, à vos parents, parce que vous êtes d'origine franco-suisse. Oui. Et grâce à eux, je sais donc que la Suisse a fait deux choses merveilleuses, les sœurs Berthollet et l'évasion fiscale. Merci beaucoup. Et enfin, le dernier. Attends, la Suisse, c'est de là que vient la légère pointe d'accent. C'est l'une et l'autre. Vous, on l'entend plus que vous. Ah oui, ouais, c'est Camille. On nous le dit souvent. Il y en a une qui cultive son accent et l'autre qui l'a oublié. Exactement. C'est ça. Moi, j'oublie mes valeurs et d'où je viens et tout ça. Mais non, c'est pas vrai. Le dernier mot, c'est 4 saisons. Alors, je suis sûre qu'il y a certains jeunes qui se sont dit « Ouais, mais pourquoi elles n'ont pas sorti les 3 saisons d'abord et laissé la 4e pour la fin pour un peu de suspense ?» Il faut leur dire que ce n'est pas des saisons qu'on retrouve sur Netflix, Amazon Prime ou MyCanal. Voilà, c'est sur un CD. Et en même temps, c'est vraiment le moment de sortir les 4 saisons parce que c'est encore à la mode avec le réchauffement climatique. On n'est pas sûr qu'elles vont tenir. Même en mode, il n'y a plus de saisons. C'est-à-dire qu'avant, on avait les collections printemps, été, automne, hiver. Et maintenant, on a la collection Covid, c'est pyjama jogging sur le canapé. Oui. Il n'y a plus rien d'autre. Exactement. Le même depuis une année. Comment vous savez? C'est pas possible. Parce qu'on est tous pareils. Alors, le seul risque d'appeler son CD par un nom de pizza, c'est que ça a donné des idées. Ça a donné des idées de business à certains. Regardez. Attention. Pizza. Je
acheter une place de concert des Sœurs Berthollet offerte. Vous avez une imagination, Léa, c'est débordant. Si ça vous plaît comme business, on fera 50. Tant que vous n'offrez pas ma coupe de cheveux avec, non, ça, vrai, ça va. Parce que là, c'était... Ouh, merci beaucoup, Léa, pour cette petite livraison express d'une 4 saisons.